qui a cambriolé la présidence de la République du Cameroun. Les autorités camerounaises sont toujours à la recherche des auteurs du vol perpétré au palais d'Etoudi dans la nuit du 15 au 16 juin. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Le cambriolage a eu lieu dans le bureau de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de Paul Biya à la présidence du Cameroun. Une vitre a été cassée, il y a eu effraction et quelques documents ont été emportés. Étrangement, les caméras de surveillance avaient été désactivées avant le vol. Suite à cet incident, plusieurs employés du palais ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. Et à ce jour, plusieurs questions restent sans réponse. Comment des cambrioleurs ont-ils pu pénétrer dans la présidence de la République du Cameroun? Que recherchaient-ils? Qui sont les personnes impliquées dans les rangs de la garde présidentielle? Une source à la présidence de la République du Cameroun signale que rien d'important n'a été emporté par les cambrioleurs. Le président Paul Biya n'a pas officiellement réagi. Nous avons tous appris que le palais présidentiel du Cameroun a été cambriolé. Pendant que nous sommes tous les jours en train de parler de Samuel Etoufis et de la Fédération camerounaise de football, des choses et des situations sont en train de se passer au sommet de l'État. Est-ce que nous viendrons encore dire que c'est le président Samuel Etoufis qui est responsable de ça? Parce qu'en fait, tout ici n'est que Samuel Etoufis. Matin, Samuel Etoufis. Midi, Samuel Etoufis. Le soir, Samuel Etoufis. Voilà un vrai problème. Un réel problème. Un scandale à nul autre pareil. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, le seul lieu le plus sécurisé au Cameroun, apprend-on, elle a été cambriolée. Tu dis, le palais présidentiel, apprend-on, a été cambriolé. Comment est-ce que c'est possible qu'un palais présidentiel puisse être cambriolé? Et lorsque nous lisons les articles, on se dit, au deuxième niveau, dans le bureau du directeur du cabinet civil, l'étage qui suit, c'est le bureau du président de la République du Cameroun, selon les articles sur Internet. Comment, déjà, les cambrioleurs ont-ils fait pour pénétrer dans le bureau d'un haut cadre à la présidence de la République, c'est-à-dire le directeur du cabinet civil, celui-là même qui s'occupe des affaires civiles privées du couple présidentiel. Comment les cambrioleurs ont fait pour pénétrer cet endroit, ce bureau même? Est-ce que le bureau lui-même n'a pas une caméra de surveillance? Bon, apprend-on, les caméras de surveillance ont été désactivés. Non mais, si c'est aussi facile de cambrioler le palais présidentiel, ça veut dire que les employés du palais présidentiel, le président Paul Biya n'est même pas en sécurité dans ce palais. Ou bien en fait, la présidence n'a pas encore réagi par rapport à cela. Mais comment est-ce possible qu'un palais présidentiel puisse être cambriolé? C'est quand même l'institution la plus sécurisée du pays. Comment? Nous apprenons, n'est-ce pas, dans cet article que aucun document important n'a été emporté. Dans un autre article, on apprend que une forte somme d'argent a été emportée. Et on apprend que les caméras de surveillance ont été désactivées. Bon, vous voyez que c'est un complot. Parce que si dans un palais présidentiel, ou si on réussit à cambrioler un bureau au palais présidentiel, si ce n'est pas les employés du palais présidentiel ou bien les hommes de la sécurité du palais présidentiel en complicité avec... Parce qu'en fait, il faut qu'on essaie un peu de se comprendre. Le palais présidentiel, c'est le palais de Toudi, où le président travaille. Il y a plusieurs cordons de sécurité avant d'arriver au palais, du moment où tu quittes le portail. Les cambrioleurs ont pu traverser le portail, tous ces cordons de sécurité
quitter au premier étage, prendre l'ascenseur, arriver au deuxième étage où se situe le bureau du directeur du cabinet civil. Ils ont pu désactiver les caméras de surveillance. Après avoir désactivé les caméras de surveillance, ils ont pénétré le bureau du directeur du cabinet civil pour pouvoir chercher les documents qu'ils venaient chercher. Après, ils sont tournés, ils sont partis. Aucun membre de la sécurité ne les a vus. Ils sont tournés, ils sont partis, traverser le même cordon de sécurité, tout ça, etc. Même à la guérite, il y a les caméras de surveillance. Partout, il y a les caméras de surveillance. Pourquoi le palais n'a pas voulu commenter par rapport à ça, ou bien communiquer par rapport à ça? Deuxième option, ça peut être c'est un employé du palais qui aurait cambriolé cela. Ça pourrait s'expliquer du fait que si c'est un employé du palais ou bien les gens même du palais, ça voudrait dire qu'il y a encore, il y a des... C'est un complot, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes, c'est-à-dire en complicité avec telle personne qui désactivait la caméra, telle personne peut-être du cordon de sécurité qui parce que c'est un bureau hyper protégé où il y a des dossiers sensibles à l'intérieur. Donc, ce bureau doit être protégé en permanence par non seulement les caméras de surveillance ou bien les hommes de sécurité. Ça veut dire que non seulement s'il a pu désactiver les caméras de surveillance, ça veut dire qu'il est parti dans le bureau, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, pour pouvoir pouvoir désactiver uniquement la partie le couloir du bureau du DCC, du directeur de cabinet civil. S'il a pu désactiver le couloir du bureau du directeur de cabinet civil, ça voulait dire que le président lui-même n'est même pas en sécurité. Ça veut dire qu'il pouvait en gros désactiver les caméras du couloir ou bien de là où le président se trouve pour aller aussi cambrioler le bureau du président. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Donc ça veut dire que si on a pu désactiver les caméras de surveillance à la présidence de la République et cambrioler l'un des bureaux sans que la sécurité ne puisse mettre main sur le cambrioleur, c'est un scandale, c'est très grave. C'est très très grave. Parce que la même chose aurait dû se poser au second niveau, au troisième étage où il y a le bureau du président de la République. Vous pouvez cambrioler le bureau du président de la République. Est-ce que vous vous rendez compte? Les dossiers sensibles sont dans ces bureaux-là, hyper sensibles. Bien, j'ai fait des recherches sur la présidence n'a pas encore réagi par rapport à cela, parce que la probabilité serait que c'est quelqu'un de la maison qui ait fait ça, parce que on ne peut pas comprendre que quelqu'un a traversé tout le cordon de sécurité, arrivé à la présidence de la République, réussi à désactiver les caméras de surveillance, à moins que le site, le cambriolage a été diligenté depuis l'extérieur, où on a désactivé les caméras de surveillance depuis l'extérieur, mais que le bandit, le voleur était toujours à l'intérieur de la présidence. Parce que il y a un cordon de sécurité là-bas, pas possible, quand même. C'est quand même la présidence de la République, c'est quand même une présidence, c'est la Maison Blanche du Cameroun. Donc vraiment, il y a anguille sur eux, c'est que voilà, c'est problématique. Nous attendons donc que la présidence de la République réagisse. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, s'il vous plaît? C'est quand même un scandale, c'est très grave. Qu'est-ce que vous pensez à cela? Si tu es bon niveau à la chaîne, abonne-toi, s'il te plaît, et dis-moi ce que tu penses en commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.